Eh les gars, vous êtes des bons. Et un bon souvenir avec. Eh vraiment, toi. Ah, c'est vrai. Eh, t'es vraiment un bon aussi parce qu'il y a pas beaucoup de mecs qui seraient venus avec nous ici, tu vois. On est des Ardennais, mec. N'oublie pas, je suis pas loin de chez toi. C'est vrai, on est des Ardennais. Je suis pas un gars du sud. Je suis un Ardennais 0810. Et vous, c'est 08800. 0800, je sais pas quoi. Non, 08, il y a 08000, ouais. Ah, 08000. Qui répond complètement chez peur. Et souvent, c'est 08200. 08200, ouais. Hey ouais. 0800, hey, c'est dans. Et là, vous pouvez voir, hein. Tout au fond, là. Aïe, aïe, aïe. Tous les yachts. Aïe, aïe. Là, c'est la plage. Aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Il est 7, enfin quasiment 7h du matin. Je pense qu'on va bientôt se faire virer par la sécurité. On va bientôt se faire virer par la sécurité, on s'en fout. Voilà. Si je pourrais les filmer, je pourrais les filmer, mais là. On vous aime tous. C'est énorme. On représente pour ça, c'est bon ça. Sous la pluie dans les Ardennes. C'est vrai, c'est vrai. On pense à une pensée pour vous. T'as raison. Vous avez du soleil. T'as raison. Vous avez un soleil. Une pensée à sa mère de vous. Montre-leur à Yout. Montre-leur à Yout, c'est ça. Vas-y. Attends. Tom, vas-y. Vas-y, montre-leur du doigt. Allez, parce que je suis pas sûr qu'on voit bien. Voilà. Voilà. Là-bas. Là-bas, c'est le jet ski. Ah, le jet ski, il est là, ouais. Derrière toi, vraiment, t'as tous les yachts. Ah, voilà. Je suis là avec la chicha. Et on peut les voir, hein, vraiment. Ouais, et d'après ce que j'ai vu, ils finissent aussi seulement la soirée. Hein. Comme quoi, c'est pas des PD non plus. Pompé. Mais t'as un beau chapeau quand même. Va te faire foutre toi. Mais bah, genre je t'avais dit que t'as un beau chapeau et tu me dis va te faire foutre. Il m'a dit, eh les gars. Ah, j'y vais, il a dit, PD là, PD. PD, le littoral. Bah le littoral c'est 5 mètres sur le pompier. Non, mais regarde, t'es là, regarde que ça fait. Mais ça fait que t'es plus sur le littoral. Et là, t'es dans la littoral. Et de ce côté-là, qu'est-ce que ça fait maintenant? Et bah t'es toujours dans la littoral. Mais genre, en fait, c'était là, t'es dans la littoral, mais genre, c'était là, t'y es plus. Putain, mais t'es qu'un con aussi, toi. Mais non, c'est vrai. Vas-y, je me couche. C'est le pompier qui l'a dit. Mais non, tu vas pas te coucher. Si. T'es un PD. Hey. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un va se coucher? Oh, hey, oh. Allez, vas-y, je reste. On préfère ça. Orange maintenant. Alors. Là. Dis-moi. Ça se met bien. Regarde. Ça se met bien. Voilà, d'accord. On est d'accord, Hugo. On est d'accord. C'est super bien. Moi, j'aime les sorbetants. J'aime les animatrices. J'aime tout le monde. Alors lui, en fait, c'est Alex. C'est l'animateur qui nous voit la gueule depuis tout à l'heure. Par contre, c'est un avatar. Hey, Alex. Un service, tu peux me filmer s'il te plaît? C'est des souvenirs. Okay. Non. Alors en fait, là depuis tout à l'heure, Alex nous servait des verres et là je vais nous servir un gros verre. Ok, un big verre même. Encore une bière. Non, arrête. Eh mais si tu la bois, ça va, mais si tu la bois pas. Je la bois, ok. L'homme de la situation. Non, mais là. Welcome to Saint-Tropez! Apparemment. Ouais. Allez, tu fais un cul sec? Non. Allez, vas-y, un cul sec. C'est un petit verre. Bien sûr. C'est un petit verre. Eh hey, gros, tu comme non, j'ai peur. Eh gros, je suis bourré. Non, j'ai peur. Je suis bien. Et ça boit glou glou. C'est sympa pour moi aussi. Glou 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 glou. On est envers son nez, ça va pas? Non, pas triche s'il vous plaît. Ah, c'est bon ça! C'est la puissance de la funk! C'est la puissance! De la funk! De la funk, mec! Allez, vas-y! Il reste combien, ça va? Il reste du temps, ça va? Ouais! Je sais pas comment on peut voir, mais ouais! Ouais, c'est bon, ouais! Ouais, c'est bon, c'est cool! Allez, c'est un petit verre, ça arrête! Bien sûr, on passe pas une paille! On a pas ça ici! Putain! Ouais, j'ai une paille! Et mec, on a plus de verre, tu crois pas qu'on va filer une paille? J'ai une paille, mec! Juste une paille! Allez, y'a plus de vidéo bientôt!
On va arrêter parce que là, voilà quoi. Ça sert à rien, il peut plus boire et tout. Ouais. Là, ça y est, il est free. The end. Donc là, le caméraman, c'était le moniteur, donc là, Alex. Yeah qui était déguisé ce soir, donc là. Il voulait prendre ça. Voilà. Ah, merci à toi, en tout cas. Merci à toi. C'est amateur. Tout le plaisir est pour moi. Alex. Oh là là, attends. C'est parfait, tu dors. Ah, c'est quoi ça? Chut. Alors, bonsoir. Alors, en fait, je me présente, hein, et là, il est quelle heure d'ailleurs? Il est 3h30. On vient de boîte. Donc, je me présente, je suis Nicolas Consigné, je suis le champion de France de lancer de castière. Alors, qu'est-ce que c'est que le lancer de castière? Alors, je vous présente. Là, c'est ma question de compétition en fait. Donc, ça s'achète, hein, ça s'achète à Decathlon, par exemple. Decathlon, ils vont trouver. Ah, ouais, pousse ta gueule, toi. Voilà, il y a des mecs qui me gênent dans mon présentation. Je fais de la pigueule, hein. Voilà. Attends. Right. Alors, en fait, ça, c'est une cafetière de compétition. Ça me sert à faire des lancers de cafetière. Voilà. Donc, j'ai déjà fait un premier lancé. Je suis, comme je vous l'ai dit à l'instant, hein, je suis le record de France de lancer de cafetière. J'ai fait un premier record à 5m20 homologué. Il est shaper. Homologué par la Fédération Française de lancer de capteurs. Voilà. Donc, pour lancer de capteurs, il faut enlever tous les objets qui peuvent casser. Donc là, par exemple, là, j'ai enlevé le premier carter. Voilà. Donc, normalement, la capteur, elle est posée à la base. Alors, normalement, regardez. La capteur, elle est posée comme ça. Et à la base, il faut la prendre comme ça parce que, bon... C'est comme les stands, voilà, il faut la même règle pour tous les concurrents. Casse-toi, toi. On l'a fait, enculé. Il faut la prendre comme ça. Après, on prend un élan. Donc, la distance, c'est environ 2 mètres. 2 mètres entre là où on doit lancer et là où on prend la cafetière. Donc, là, ensuite, on peut faire un pas, deux pas. Ils sont cons, ces jeunes, ils sont cons. Ensuite, on peut lancer la cafetière de cette façon ou d'une autre façon. Ça c'est comme vous voulez. Et voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Bah, écoute, je suis bravo à toi, moi je suis le patron de la licence de la Fédération Française de lancer de cafetière. Je te récompense de ce verre. Merci. Écoutez, bravo monsieur. Vous êtes le champion du monde. Merci. Voilà. Merci pour le cocktail. Allez, voilà, merci. Donc, vous voyez, il est 3h15. Regardez un peu la couleur du truc. On va changer. Regardez. Donc là c'était la sécurité en fait. La sécurité elle vient de passer. Bah, parce qu'il faut de la sécurité dans des programmes comme ça, dans des championnats du monde, il faut quand même de la sécurité parce que on sait jamais quel débordement il peut avoir. Justement, avec les jeunes et l'alcool, ça fait pas bon mélange. Donc il faut réguler tout ça. Là, la sécurité vient de passer, mais regardez un peu la couleur de ce verre. En sachant que là, mon collègue, il vient de mettre que de la vodka. Il y a de l'eau aussi. La vodka, le truc. Vous comprenez que c'est un verre quasiment... Non, il n'y a pas que de la vodka, il y a un peu d'eau. Il y a un doigt d'eau. C'est vrai, il y a un doigt d'eau, regardez. Ouais, c'est vrai. Allez, vas-y, bois. Ça passe. Bah, ça passe comme dans Brigitte Bardot. C'est vrai, hein. C'est la vérité vraie.